Bonjour, je suis Marie-Agnès, directrice des ressources humaines et de la communication interne chez Ecosystem. Nous venons de signer un nouvel accord de télétravail chez Ecosystem. Notre objectif était d'en étendre l'accès en ce qui concerne le nombre de jours et les postes concernés. Nous voulions tirer aussi parti des bénéfices de la crise sanitaire et du travail en distanciel qui s'est mis en place pendant cette période, afin de pérenniser une organisation en mode hybride. Pas de jours fixes imposés et un mode de planification très souple. Des collaborateurs volontaires bénéficient d'une enveloppe de 10 jours de télétravail par mois. La planification se fait avec les managers qui veillent à la fois au fonctionnement du service, aux impératifs métiers et aux aspirations personnelles de leurs collaborateurs. Pour maintenir le lien social et faire vivre la culture d'entreprise, ce qui est très important, nous avons fixé une limite à 3 jours de télétravail par semaine. Pour les postes qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail régulier, on propose du télétravail occasionnel et sur les mêmes principes de flexibilité. Nous avions d'abord mis en place du télétravail occasionnel. Et puis la crise sanitaire est arrivée et comme beaucoup d'entreprises, nous avons dû improviser un mode de travail 100% en distanciel. Au gré des différentes vagues, on a expérimenté le mode hybride qui est une alternance de distanciel et de présentiel. Finalement, grâce à la mobilisation de nos équipes, cette période a révélé des modes de fonctionnement agiles et très efficaces. C'est pourquoi on a décidé de lancer une réflexion en interne et ouverte à tous les collaborateurs volontaires qui souhaitaient réfléchir sur notre mode de demain. Les idées et les propositions de ce groupe de travail, tout comme les retours des managers, nous ont permis d'identifier les grands principes de notre future organisation hybride. Enfin, nous avons mis en place des groupes de travail avec nos représentants du personnel, permettant d'aboutir à la conclusion de ce nouvel accord. Ce nouveau mode hybride est celui qu'on a choisi d'inscrire officiellement dans nos pratiques de travail. Il est en phase avec notre statut d'entreprise à mission et constitue une forme d'organisation agile et innovante. Il offre aussi plus de souplesse et de flexibilité, ce qui contribue à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle de nos collaborateurs. Du côté des managers, les deux piliers essentiels sont la confiance et la responsabilisation. Également, nous avons voulu être innovants en proposant à nos jeunes en alternance et en stage d'en bénéficier, avec un rythme adapté pour développer les compétences clés qui leur seront nécessaires dans leur entreprise de demain. Pour la mise en place d'une organisation de travail en mode hybride, je dirais qu'il faut d'abord bien prendre en compte la culture et les valeurs de l'entreprise pour proposer un fonctionnement qui nous ressemble. Chez Ecosystem, on a misé sur la confiance, sur la bienveillance dans nos relations de travail et sur la flexibilité nécessaire pour mener à bien nos missions d'éco-organisme. Se faire accompagner est une bonne option pour capitaliser sur l'avis d'experts. Nous avons fait appel au cabinet Greenworking, spécialisé dans l'accompagnement des organisations hybrides. L'objectif était de nous aider à développer nos modes de collaboration grâce à des parcours de formation collaborateurs et managers. Nous avons également décidé de mettre en place des ateliers pour aider les managers à déployer l'accord de télétravail à l'échelle de leur service. Enfin, le télétravail peut présenter des risques dont il faut avoir conscience, comme l'isolement, la perte de lien, la sédentarité ou une intégration un petit peu plus contraignante pour les nouveaux collaborateurs. Trouver le bon équilibre est indispensable et dans cet exercice, tout le monde est concerné, direction, ressources humaines, managers et collaborateurs. Il est essentiel que chacun s'épanouisse individuellement tout en restant performant collectivement.